Yo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un peu d'habitude. Ça va toujours être un best-of, mais en début de vidéo je vais vous expliquer rapidement quelques trucs par rapport au shoot, notamment la manette. Je pense que ça peut s'appliquer au clavier souris, mais je vais parler en tout cas de mon expérience en tant que manette. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal rigolé, notamment dans les titres de mes best-of ou alors dans les best-of en eux-mêmes, du fait que j'avais un aimbot, parce que vous me le dites tout le temps alors que c'est faux, hein, j'ai pas d'aimbot. Même moi je rate beaucoup de balles parfois. Mais c'est ça que je vais expliquer rapidement, c'est comment je fais pour mettre des grosses balles et comment vous pouvez vous aussi arriver à faire ça. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous parler d'un petit truc. En fait, j'avais dit qu'au 3000 soutiens, il y allait avoir une surprise. Donc cette surprise, elle est prête. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est une map edit, mi-edit, mi-death run. Donc je sais pas si je vais la sortir en ce moment avec le Boozy Tournament et le Tixi Tournament qui vient de se finir. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique. Mon code, c'est comme ma chaîne, ZETFAR. Là, on est au 3900 soutiens, si je dis pas de la merde. D'ailleurs, ça me soutient beaucoup. C'est la même chose au niveau des likes. À chaque fois que je propose un objectif, bah il est atteint. Du coup, c'est pour ça que je vous propose d'atteindre les 10 000 likes sur cette vidéo. Enfin bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps et je vais tout de suite vous expliquer comment faire pour mettre des plus grosses balles et surtout moins les rater. En fait, je pense que ce qu'il faut avoir tout simplement, c'est le réflexe de viser rien qu'une milliseconde pour être sûr de caser la tête. Que ce soit un 200 ou même une moins grosse balle, ça sera toujours une grosse balle et ça évitera les 30. Les 30, pour vous dire, j'en mets pratiquement jamais, vraiment jamais. Je pense que ce qui a facilité ça, c'est parce que pendant plus de 2 mois, donc c'était il y a je crois 6 mois, en fait, je faisais donc mes streams avec l'aim assist. Le soir, quand j'allais en créatif, ce que je faisais, c'est que je désactivais mon aim assist et du coup, je jouais pendant 2 ou 3 heures sans l'aim assist. Et forcément, au fur et à mesure, bah au bout de 2-3 mois, ce que j'avais, c'était quand j'avais plus l'aim assist, et en fait j'avais quand même un shoot qui était correct. Et l'aim assist c'était que du plus. C'est dans ces moments là où je trouve que l'aim assist de Fortnite était vraiment cheaté. Après, ce qui a beaucoup aidé, je parle pour les manettes, c'est le Legacy. Et le Legacy d'ailleurs à ce jour ils l'ont toujours pas enlevé. Du coup je l'ai toujours, je joue parfois en exponentiel parce que il faut quand même que je reste habitué aux deux, mais je reste en Legacy. Mais du coup voilà, je pense qu'il faut que vous ayez ce réflexe de viser avant de tirer, c'est très important. Je vois beaucoup de joueurs en game, notamment même des joueurs qui me tuent ou qui essayent de me tuer, qui par exemple tirent beaucoup aux pompes en sautant. Si vous voulez un conseil, ce sera plus facile de tuer l'ennemi en prenant son temps, ne serait-ce que 1/10 de seconde pour mettre la balle et être sûr de la mettre, plutôt que de sauter et de risquer de pas la mettre en tirant n'importe où. Après, c'est mon avis. Maintenant, je vais parler au niveau tracking. Comme vous le savez, notamment les manettes, l'aide à la visée de loin, ça marche pas. Quand vous allez voir un mec à 10 km et que vous allez lui tirer dessus, votre aim assist, elle marchera pas, ou presque pas, infimement. Du coup, quand par exemple vous êtes en fin de zone et que des mecs rotaient au-dessus de vous, dans les airs, il faut que vous preniez bien votre temps pour le suivre. Quitte au début à rater 20 000 balles, mais au bout d'un moment, ça viendra et vous mettrez beaucoup plus de balles. Après, c'est Fortnite, hein, y a la chance du bloom également. Mais enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez mettre des bonnes balles, il faut tout simplement prendre votre temps pour les mettre. Je suis désolé, 2 minutes, c'était peut-être un peu long le temps de parler, mais ça valait le coup. Je vous laisse avec le best-of. Dedans, il y a une compilation avec pas mal de kills, notamment des 200, etc. aux pompes. Et puis du coup, on se dit à la prochaine. Moins 150, un mec. Vas-y, avance, avance. Je te laisse extend. Crac dans les airs. Mec, je touche rien. J'ai un bloom de poney. Je l'ai fait tomber. Moins 31, à terre. Bien joué. Encore un à terre. Encore un mort. Je l'ai bloqué. Ah, c'est toi qui as pris le truc là. Oh là là. Tu m'as bloqué. Quel trou de balle celui-là. Moins 200. Mort. Moins 40. Ok, elle est pas passée, let's go. Ok, essaie de faire comme ça. Mec, j'ai un bloom de licorne à cette game. Pardon. Go avancer. Mais j'ai plus de ces barrières qui m'empêchent de jouer correctement. En 200, mort. Moins 120. Mort. On est 2v1. Il est tombé sur moi. Spam-le. Il est tombé. M'en 120. Oui bah j'ai rien touché gros, hein.
Bien joué. Ah chier. Brock. T'es blanc, j'ai mis. Oh non. Je suis bloqué. Oh. Let's go. Je cavale. Y'a pas des grenades ou autre quoi. Là y'a un mec là. Il m'a vu. T'as pas vu. Si il m'a vu, pas possible. Trois têtes, il a pris trois têtes le mec à gauche. Enfin deux têtes et une balle à 31. Il soigne. Il a pris 152 dégâts. Oh non, il y a une autre team. J'ai mis ton vidéo line. Il y a l'autre team qui arrive, ils ont pas de. Je le chapeau. Il y a l'autre team. Mais il me spam. 1 HP. À terre. On a quand même eu plein de bugs là, hein. Tu peux pas construire. Moi je vois un truc de poisson invisible et j'ai un caillou indestructible qui me fait perdre du temps. C'est pas mal ce jeu. Encore avec moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est des cinglés. Je l'ai mis 50. Enfin 70, je veux dire. C'est malade. Garde là, j'ai une mini. J'ai mis 50. Oh, j'avais réussi à le faire. Mort. Bien joué. Oh, c'est malade. Go descendre. 21. Crac. À terre. J'ai pris une tête. C'est dans ma box. Bon anniversaire. Bah merci à Daline, mais c'est pas mon anniversaire malheureusement. Ah, juste devant moi. Touché 150, il courait tout droit. C'est à moi la pyramide. Oh, bien joué! Crac! A terre! Il est low, 144! Bien joué! Trop pour eux! Mort! On les a défoncés! Mec, mais. Ton... Vraiment, à chaque fois, t'as bon réflexe hein, de casser leur. À ta droite! C'est le boss, c'est les clowns. Oh la zone. Mais quoi? Mais gros, je te passe à travers. J'ai rien récup là. Cavalcini. Bien joué.
Ça luck, sérieux, il m'a fait tomber au dernier moment. Putain. Dites par le meilleur joueur manette. Bon, c'est pas grave, bien joué quand même. 56 points, allez, let's go, on continue. Mais comment il m'a mis la balle là? Moins 180. Je me soigne, tempo. J'ai mis une grosse pote. Ok, il se remet bien en shield aussi. Pareil. Mec, si j'avance pas 12, il était mort. Hein. Je crois qu'il a pris 50 en 2 balles. Content d'avoir un chasseur. T'as la hauteur? Non, ils ont pris la hauteur. Okay. Attends, je te dis après. Je suis enfermé toujours dans ma case. T'es où? Viens avec moi. Il full spam hein. Sans vite. J'ai la hauteur. 70. Non, je peux. Ah putain, j'ai plus de balles dans ma tête. Dans mon bac. 38, 18. Oh, 80 morts. Mort. GG ça, on les a